selon vie. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. Vous êtes l'attaché de presse de Guy Béard. Il vient donc de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Vous nous confirmez cette information ? Absolument, je confirme cette information, cette triste nouvelle, parce que la France perd un immense poète. Il a été pionnier, vous savez, il faisait partie des fameux 3B. Il y avait Brel, il y avait Barbara, il y avait Guy Béard. Et voilà, c'est triste, mais c'est ainsi. Il se rendait chez son coiffeur ce matin. Et puis, il s'est écroulé sur le trottoir. Voilà, on devait se voir cet après-midi. Voilà, c'est une bien triste nouvelle, mais voilà, c'est la vie. On était en plein montage en ce moment d'un documentaire que j'étais en train de tourner sur lui. On avait tourné le jour de son anniversaire de ses 85 ans. C'était le 16 juillet dernier. Et on était en plein montage avec Guy. Et voilà, donc... On entend votre tristesse, Fabien Lecoeuvre. Bien évidemment. J'ai eu ses filles, en tout cas Ève, qui bien sûr est effondrée. Emmanuel, elle est dans un train en ce moment entre Paris et la Suisse. Voilà, donc j'en saurai plus dans les prochaines heures, mais voilà.